Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'initier au troubleshooting sur F5 Big IP, d'abord avec l'outil TCP Dump qui est un outil de diagnostic incontournable. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le TCP Dump, à quoi il sert, on va voir comment l'utiliser, les, op les options associées au TCP Dump ainsi que les filtres qu'on utilise sur le TCP Dump et enfin on va voir comment interpréter une, une output standard de TCP Dump. Alors le, le TCP comme je vous ai dit, c'est un outil incontournable de diagnostic et d'analyse de paquets réseau qui s'exécute en ligne de commande. Il est disponible sous Unix et Linux. Sur F5, il est installé d'office. Vous n'avez pas à l'installer. Il est déjà installé. Pourquoi Parce que l'éditeur F5 sait que pour le troubleshooting, c'est l'outil incontournable. C'est le premier outil qu'on va généralement utiliser dans les cas de diagnostic réseau. Il supporte plusieurs protocoles, il supporte le TCP, UDP, ICMP, ARP, niveau 2, niveau 3, etc., etc. Il peut même afficher, interpréter, afficher les données applicatives. Le TCP Dump fonctionne en écoutant, en sniffant le trafic réseau entrant et sortant par le boîtier F5 et traduit ce qu'il a, qu a écouté en output sur la ligne de commande. Pour utiliser TCP Dump, c'est une manière standard, donc c'est le nom de la commande TCP Dump, plus les options, ainsi que les filtres. Les options modifient le comportement du TCP Dump par défaut, donc c'est comme la majorité des, des commandes Linux et Unix, euh, on peut modifier le comportement de la commande en ajoutant des options. Et le filtre va spécifier les paquets à, cap à capturer ou ne pas capturer pour limiter l'output à ce qui est utile. Exemple, tcpdump qui est le nom de la commande, .i eth0 qui est une option, là on spécifie explicitement l'interface qu'on veut mettre en écoute. Donc dans le cas où on a plusieurs interfaces réseau, on peut filtrer par interface juste en utilisant l'option .i. Et là on a le filtre host 10.10.1.1 qui va filtrer uniquement le trafic entrant ou sortant avec comme destination ou comme source adresse l'adresse 10.10.1.1. En ce qui concerne les options, voici quelques options communes que vous allez couramment utiliser. i, notamment pour spécifier l'interface ou le VLAN d'écoute. Donc, on a vu i ETH0. On peut spécifier i internal ou moins i external ou x, y, z, le nom d'un VLAN. Sur F5. Il y a un nom d'interface spécifique qui est le 0.0 qui veut dire toutes les interfaces TMM. Rappelez-vous, les interfaces TMM, c'est les interfaces du trafic de données et pas l'interface de management. L'interface de management sur F5, c'est la ETH0 et les interfaces TMM, on peut écouter sur toutes les interfaces en écrivant 0.0 qui correspond à un, à un raccourci de toutes les interfaces. L'option interface moins, euh, moins N qui signifie pas de résolution d'IP. En nom DNS, par défaut, si on ne spécifie pas cette euh, option, euh, le, le TCP dump va essayer de faire la résolution inverse des adresses IP en nom DNS, ce qui va consommer un temps considérable, le temps de résolution DNS justement. Donc, généralement, on va mettre moins n parce qu'on n'a pas besoin de cette euh, tâche supplémentaire. Moins nn. Ça veut dire ne pas résoudre d'IP en nom DNS et en plus ne pas résoudre le numéro de port en nom de service. Ça ne prend pas autant de temps pour résoudre parce que ça se fait en local en lisant le fichier slash etc slash service. Ça ne prend pas autant de temps à résoudre que, que, que l'adresse IP en nom DNS. Mais euh, si on souhaite afficher le numéro de port au lieu du nom de service, on va utiliser Nn. S, ça spécifie la longueur du paquet à capturer si on veut limiter la longueur à une longueur maximale ou si on veut capturer toute la longueur du paquet, on va mettre moins S0 pour toute la longueur, sinon moins S plus un nombre, un nombre spécifique pour limiter la taille du paquet à capturer. Ensuite, on a le moins V pour avoir plus de verbosité, moins VV encore plus de, de, de verbosité et moins 3V pour le maximum de verbosité. Enfin, on a l'option "-w", qui spécifie un fichier de sortie où on va enregistrer le résultat de la, de la capture en format PCAP exploitable sur d'autres logiciels, par exemple Wireshark. Pour les filtres TCP Dump, on peut filtrer par host. Par exemple, ce qu'on qu a déjà vu, TCP Dump-i, le nom d'interface host et l'adresse IP du host. Correspond à un filtre par cette adresse IP, IP là, qu'elle soit en, dans le champ adresse source ou dans le champ adresse destination. On peut euh, spécifier explicitement le, le champ de cette adresse IP là, par exemple SRC host pour n'afficher que les paquets qui contiennent cette IP dans leur champ adresse IP source et DST host pour le champ destination. Et on peut aussi filtrer par numéro de port. Ça sera TCP dump moyen external par exemple. Port et le numéro de port. Pareil, on peut filtrer par le, le, le port source ou le port destination. On peut également avoir des expressions composées, par exemple euh, filtrer par le host plus le port. Donc, ça sera dans notre cas host 10.1.1.1 and port 443. Donc, ça sera tout le trafic qui match l'adresse IP 10.1.1.1, qu'elle soit dans le champ source ou le champ destination plus avoir le port 443 dans l'un des champs port source ou port destination. Ensuite, on a OR, donc afficher les paquets qui ont soit le host 1, 2, 3, 4, soit le host 10.1.1.1 1, 1, et ne pas afficher tout le reste. Et on peut également utiliser la négation avec le mot-clé NOT. Donc là, on va afficher tous les paquets de l'IP 10.111, sauf ceux qui correspondent au port 443, puisqu'on a... Note porte 443. Ensuite, pour interpréter l'output du TCP dump, alors là, on voit un exemple d'output. Cet exemple-là, c'est exemple un exemple le plus courant puisqu'il correspond à une communication euh, TCP. Il euh, y a d'autres types d'outputs, euh, par exemple celles qui correspondent au trafic niveau 2, par exemple des requêtes ARP ou du trafic UDP. Mais dans la plupart des cas, on va rencontrer euh, un trafic du type TCP. Donc là, dans, ce, dans cet output-là, on peut voir qu'on a l'adresse source et le port qui sont affichés d'abord. Ensuite, on a l'adresse destination et le port destination. Puisque c'est une communication TCP, on peut voir les flags TCP. Alors ces flags-là, il y en a plusieurs. Par exemple, le S qui correspond à un paquet SIN d'ouverture de connexion TCP. Le P qui correspond au push. Donc je suis en train d'envoyer des segments TCP. F qui correspond à un fin, donc je suis en train de mettre fin à une connexion TCP, et R qui correspond à un reset, donc le serveur ou le client a mis fin à la communication TCP en utilisant un reset au lieu d'une terminaison normale par fin. Donc on passe à notre F5 pour voir quelques exemples. Donc là on est connecté en ligne de commande. Donc je vais voir mon VS là le 10 10 10 fonctionne correctement. Donc on va tout d'abord faire un TCP dump pour voir le trafic correspondant à ce VS. Donc je vais filtrer par toutes les interfaces TMM. Donc ce sera .i0.0. Donc j'ai ajouté .nn, comme on a dit, pour ne pas faire la résolution inverse de l'adresse IP, ni afficher les numéros de port en tant que, que nom de service. 0.0 qui correspond à toutes les interfaces tmm. Ensuite je vais utiliser mon filtre host pour spécifier l'adresse IP de mon VS uniquement. And port 80 qui correspond au VS HTTP. Là, SCP dump est en écoute et il s'attend à du trafic. Donc je vais générer du trafic sur mon VS. Une seule fois. Là regardez, il y a plusieurs paquets qui correspondent à mon trafic. Donc j'arrête la capture. Et on va voir ce qui s'est passé au début. Donc Regardez, mon client s'est connecté au VS sur le port 80. Il a tout d'abord initié la connexion TCP avec un paquet de type sin, donc S-sin. Le VS a répondu. Donc le 19-18, ça correspond au port de mon client. C'est un port aléatoire, éphémère. Il a répondu avec un paquet sin plus hack. Donc sin, sin, hack. Enfin, j'ai un hack de mon client vers le serveur. Regardez hack. Donc là, les trois premiers paquets correspondent au three-way handshake TCP. Ensuite, mon client a envoyé un P, qui correspond à un push. Donc là, on est en train de s'échanger des données entre le client et le serveur jusqu'à la fin de la connexion. Ensuite, on va commencer à introduire quelques problèmes pour voir comment faire du diagnostic. Donc on va dans notre VS HTTP VS, celui qu'on utilise pour ce test. Avant de faire, on va dans notre pool HTTP Pool. On va juste enlever le monitor parce que les moniteurs génèrent du trafic et je ne veux pas que ce, que ce trafic-là m'embête pendant mes captures. Donc, pour notre exemple, on va enlever les moniteurs. L'application bien sûr continuera à fonctionner. Donc je vais dans mon HTTP VS. Et là, je vais introduire une erreur qui est généralement faite par les débutants sur F5 Networks. Donc, dans source adresse du VS, alors cette source adresse est utilisée pour filtrer les adresses sources qui ont le droit d'atteindre ce, ce VS. Donc, dans certains cas, des débutants mettent des adresses erronées là. Par exemple, ils mettent l'adresse du VS lui-même. Là, je suis en train de dire, n'accepte le trafic que s'il vient de cette adresse-là. Là, là si, je, si je sauvegarde, regardez application ne marche plus. Là, je vais, je vais faire le diagnostic avec le TCP dump. Regardez, j'actualise la page. Rien. Donc là, je peux voir que euh, le trafic, il atteint le big IP puisque puisque j'ai du trafic de mon client vers l'adresse du VS. Donc déjà, j'élimine. Tout problème entre mon client et le F5 Big IP, donc tout problème réseau qui, ne, qui fait en sorte que le trafic n'atteigne pas euh, le Big IP. Donc là, je suis sûr que le trafic atteint le, le Big IP. Ensuite, je peux voir que j'ai un syn, mais je n'ai pas de réponse syn syn ack. Je n'ai pas de réponse syn ack. J'ai des resets à la place. Le client retente, reset, retente, reset. Donc là, je vois que le F5BIG IP rejette ma connexion, ma connexion, donc je peux diagnostiquer euh, ce qui se passe sur le F5BIG IP. Donc là, je peux par exemple aller diagnostiquer le VS et voir qu'il y a un filtre là, par exemple, et résoudre le problème. Voilà, donc grâce au TCP Dump, j'ai pu voir le trafic réseau exact et j'ai pu savoir où est-ce qu'il y a un problème. Ensuite, on va introduire un autre problème assez courant. Donc, dans le cas où j'ai un VS, où il n'y a pas de SNAT, donc vérifie dans, dans, dans le VS que le SNAT est non. Et en plus, mon serveur backend n'a pas le F5 Big IP comme passerelle par défaut. Donc, je me connecte vers mon serveur backend. J'affiche la table de routage. Donc là, regardez, l'adresse, la passerelle par défaut de mon serveur backend, c'est le F5. C'est pour ça que ça marche sans SNAT. Donc je vais supprimer cette route. Avec la commande route del-net 000 /0, 0 GW et l'adresse qu'il y a ici. Je supprime cette route. Donc je l'ai plus dans ma table de routage. Donc là, si je teste, Regardez, ça ne marche plus. Donc je reviens sur mon F5. Et là, je vais faire un TCP dump au TVS d'abord. ça. J'exécute le TCP dump. Et j'actualise ma page. Et là, regardez ce qui se passe. Contrairement au test précédent où il n'y avait pas de SYN ACK ACK là, et je peux voir qu'il y a un signe, signe hack, hack entre mon client et le VS donc dès que je commence à envoyer des paquets vers le VS tout de suite après je reçois un reset du VS regardez j'envoie deux paquets je reçois un ACK et directement un reset donc là je vois que je reçois des resets de mon VS donc là ce que je peux conclure de cet output là, c'est que j'arrive à joindre le VS et j'arrive à établir la connexion TCP avec ce VS là, mais dès que je commence à demander des données applicatives, je ne reçois pas de demande. Donc là, je vais devoir faire un test côté serveur backend pour voir est-ce qu'il y a un problème entre mon Big IP et le serveur backend. Donc on a dit que le serveur backend c'était les 10.2 10 ou 10.3 donc on peut faire un filtre sur ces là on va prendre son 16 10, 1 or son 16 2 or son 16 10, 3 and porte 80 voir ce qu'on a comme résultat donc actualise la page donc, regardez là regardez regardez arrête la capture. Donc j'ai des, des tentatives de connexion vers le 16 10 1 avec l'adresse IP de mon client vers l'adresse IP du serveur backend. Pourquoi l'adresse de mon client Parce que F5 ne fait pas de source NAT, donc il va, il va envoyer mon adresse source sur le paquet sortant vers l'adresse backend. Deuxième tentative, troisième tentative, quatrième, mais à chaque fois il ne reçoit jamais de réponse du serveur. Je ne reçoit jamais de réponse du serveur backend. Donc là, je commence à, à savoir qu'il y a un problème côté serveur backend qui ne me répond pas. Donc, je peux voir est-ce que ce serveur-là, il est en écoute, est-ce qu'il est allumé, est-ce qu'il est est qu y a un problème dessus, est-ce qu'il a une route vers cette adresse-là pour pouvoir envoyer le trafic retour. Donc là, je vais essayer de faire du SNAT. Automa, par exemple. Je sauvegarde. Et je relance mon TCP dump. J'actualise la page et voilà, ça marche. Là, je peux voir que F5, il a pu établir une connexion avec le serveur backend. Cette fois-ci, en utilisant son adresse IP self en tant qu'adresse source et puisque, puisque pour ce serveur-là, elle est directement connectée, j'ai pu recevoir une réponse. Donc voilà pour le deuxième exemple de TCP dump. J'espère que vous commencez à comprendre de plus en plus cet outil incontournable. Là, on va voir un troisième et dernier exemple. Alors, dans cet exemple-là, on va enregistrer l'output, par exemple, euh, du VS, du trafic arrivant vers ce VS. On va l'enregistrer sur un fichier. On va appeler, on va mettre dans le dossier TMP. Donc, généralement, dans ce dossier-là, je mets les fichiers que je n'ai pas peur de perdre. Donc c'est un fichier là de, de, de capture que, que je vais récupérer et que je peux supprimer par la suite. Donc je vais l'enregistrer dans l'HTMP et je vais l'appeler testts.cap pour capture. Httpvs on va dire.cap. Et là regardez, je veux capturer tous les paquets sans rien perdre de données. Donc je vais mettre .s0 pour, la, pour toute la longueur du paquet. Que ça soit le plus verbose possible. Donc v, V, V. Et puis, j'exécute. J'actualise ma page. Je reviens là. Donc, puisque c'est verbose, il m'a affiché combien d'entrées, de, combien de paquets il a capturé. Donc, je vais arrêter ma capture. Et je lance n'importe quel logiciel de transfert de données, en, de transfert de fichiers en SCP. Je me connecte sur mon F5, je vais en slash tmp et je récupère mon httpvs.cap que je vais pouvoir ouvrir avec Wireshark. Là, regardez, j'ai tous mes paquets en mode graphique. Par exemple, je peux voir les données HTTP échangées. Et je peux voir les entêtes HTTP, les données protocolaires, etc. etc. Donc c'est plus convivial qu'en ligne de commande et ça me permet d'avoir plus de visibilité sur le trafic. Donc voilà pour ce qui est du TCP Dump. Cet outil est très très documenté sur les KB F5. C'est un outil, comme je vous ai dit plusieurs fois, incontournable. Donc, vous devez savoir comment il fonctionne si vous envisagez de passer des certifications F5. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.